bonjour à tous. C'est une ouverture en baisse à la Bourse de Paris alors que les signaux en provenance de Chine continuent de montrer des signes de faiblesse. Et on suivra ce matin le secteur financier alors que Standard & Poor's a abaissé hier la note souveraine de l'Italie en arguant de la faiblesse des perspectives de croissance de son économie. Excellente nouvelle pour Casino. Ce matin, le distributeur a reçu le feu vert de l'autorité de la concurrence pour la prise de contrôle exclusif de Monoprix. Et puis Publicis qui rachète l'une des principales agences chinoises Pure Player des médias sociaux. On ne connaît pas le prix de l'acquisition ni le chiffre d'affaires réalisé par la cible. Notre gros plan sur Sodexo qui vient de dévoiler un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros sur 9 mois en croissance de 3,7%. Le directeur général Michel Landel se montre satisfait de ces chiffres obtenus dans un contexte mondial difficile. L'objectif de croissance interne pour l'année entière est ainsi confirmé entre plus 1 et plus 2%, tandis que le résultat opérationnel courant devrait être stable par rapport à l'exercice précédent. A noter en outre que Sodexo a annoncé un plan de départ volontaire en France, ouvert à 217 postes. Voilà, c'est la fin de ce flash, je vous donne rendez-vous à midi.